Ok. Non mais, enfin, on va pas relancer la musique quand même, parce que, en fait, le truc, c'est que, je vous explique, la webcam qui est ici, à chaque début de stream, je dois la débrancher, la rebrancher pour que Streamlab la capte. Ce faisant, il me change la piste audio une fois sur quatre. Bah, la quatrième fois est tombée aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le petit stream du samedi, les amis. Stream partagé en deux parties aujourd'hui. Puisque nous avons d'abord la première partie sur la tier list, la deuxième sur Minecraft. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, du coup? Enfin, avant 12h30. On a pour une heure et demie. Sachez que nous avons 10 personnages de Ant-Man 3 à mettre à jour dans notre tier list, pour commencer. Et après cela, on va continuer l'histoire d'Andy, donc le petit Enderman, dont le travail a déjà été commencé de mon côté. Pour YouTube, parce que vous savez qu'il y a un panthéon, il y a déjà eu du dérochage, donc le boulot a commencé. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va commencer dès maintenant, bien évidemment. Voilà, évidemment, c'est prêt. Bah ouais, non mais c'est ça, quand on est organisé, c'est prêt, bien évidemment. Et les amis, on va s'adresser aux réseaux sociaux, notamment TikTok et dernièrement Instagram. Comme je vais sûrement avoir une toute petite flemme de mettre le bandeau spoiler, Instagram et TikTok, attention, spoiler Ant-Man 3. Parce que avant de donner mon avis sur les personnages et comment on va les classer, je vais vous lire une review sur Ant-Man 3. Je vais vous la lire parce que je ne l'ai pas apprise par cœur et que j'ai eu un peu la flemme de la prendre et que je ne m'attendais pas forcément à la lire en stream. Mais du coup, on va commencer par vous lire ça. Attention. On va assumer les conneries qu'on écrit quand même. Faut quand même assumer un petit peu. Alors, je vais vous y mettre de l'intonation, comme un vrai livre. C'est marrant, à la fin du film, il y a des crédits avec plein de noms, comme un amas de fourmis. Mais les gars, pas parce que vous êtes nombreux que le film va être bon, hein. Le film a 3 sur 5. Je vais vous dire déjà pourquoi il mérite des étoiles, et après on verra les points négatifs. Dans les bons points, on a Kang. J'avais vu de mauvaises critiques dessus, mais en vrai, il fait le taf. Il est menaçant, sa réputation et ses pouvoirs sont cool, et Jonathan Mayer, il est fait pour le rôle. Donc ça, c'est évidemment validé de mon côté, la scène du combat à main nue est vraiment impressionnante. Autre bon point, et étonnant, c'est MODOK. Ouais. MODOK est cool. Je veux dire, la grosse tête, elle est assumée, c'est ok. Son rôle vis-à-vis de Kang, il est validé. En fait, que ce soit Darren Cross, c'est surprenant, mais pourquoi pas. Juste, pourquoi lui donner une rédemption? Il détestait Scott et Hank. Et c'est pas Cassie, du haut de ses 15 piges, qui devait pouvoir le raisonner. Mais le reste, c'est validé. Autre bon point, le rôle du film est d'introduire le nouveau méchant du MCU, le nouveau Thanos. Un méchant menaçant. C'est relativement fait. On y reviendra plus tard quand même, parce que c'est pas tout à fait fait. Et ce qui mérite que le film mérite 3 sur 5 et non 2.5 sur 5, c'est évidemment Loki. On a un bon teaser de la saison 2, qui au passage a été repoussé, merci Disney+. Et on a Mobius qui pop pour la première fois dans un film au cinéma. Évidemment, on peut faire le lien avec les images qui ont été dévoilées il y a quelques mois et de quand se passe la scène qu'on a vue au cinéma. Loki a réussi à renouer une forme de contact avec Mobius et à le conduire quelque part. Donc, il y a eu un passif depuis la fin de la saison 1. On n'est pas juste après la saison 1, du coup. En somme, la meilleure minute du film. Mon objectivité, elle est descendue au sous-sol, c'est fini. Parlons des mauvais points. Les mauvais points. Est-ce qu'on est au point de Thor 4? Non, Thor 4, c'est le pire film du monde entier. Mais le fait que Ant-Man 3 prenne la direction de Thor 4, c'est un peu inquiétant pour la suite du MCU quand même, hein. Secret Invasion et Loki, j'ai encore foi en vous, mais va falloir donner du lourd, quoi, prochaine série. Hein. Le film ne se prend pas au sérieux et tourne à coups de « ta gueule, c'est magique ». Exemple, et donc c'est une liste non exhaustive, exemple j'en ai deux. Hein. Comment est-ce qu'on n'est pas mort d'être arrivé dans la dimension quantique comme ça? Au tout début du film, ils arrivent, ils se demandent comment ils peuvent respirer. Ça ne sera jamais justifié. Et le pire, c'est que j'ai cru qu'au début du film, quand ils ont dit « comment est-ce qu'on est arrivé là ?», je me suis dit, c'est parce qu'il y a un intérêt scénaristique à poser cette question. Non,
Ils ne reviendront plus jamais dessus. Et Kang est-il encore une menace? Là, on parle plutôt de la fin du film. Quand Scott se dit bah, le monde va bien, et qu'en fait, il ressort de la fin du film, même pas traumatisé, comme si sa vie continuait d'être comme ça. En somme, le méchant ne sert un peu à rien. Bref, un scénario très léger, pas très recherché, et encore moins quand on voit, au moment de récupérer le noyau, Scott et Hope faire des choses sans expliquer comment, parce que ta gueule, c'est magique. Voilà. Hein, quand même le conquérant vous dit qu'en bas ça peut être la merde et que par une raison inexplicable, eux ils arrivent à contrer ça, on reviendra dessus quand on parlera des personnages. Passons le scénario et allons sur les plans. Est-ce que Ant-Man 3 est moche? Non. Non, il y a plein de gens qui disent que Ant-Man 3 est moche. C'est pas spécialement moche, mais c'est clairement pas un beau film non plus. Il est juste un film. On remarque des fois le bon fond vert, le meilleur ami des derniers étudiants chez Marvel, mais il ne bec pas non plus les yeux. Faut pas non plus s'attendre à un film du genre Interstellar, quoi. Il n'y a même pas de notif quand on sub. Si? Non, normalement. Attends. Si? Non? Si, mais après même mon fil d'actualité, il pop pas quoi. T'as fait avec Prime? Essaye de. Si t'es avec Prime et que t'es sur téléphone, essaye de quitter le chat et de revenir. Il faut que tu cliques, je crois que t'as un message d'alerte. Mais je sais pas. Il apparaît pas dans mon mini feed non plus, quoi. Si ça peut t'intéresser. Ah, t'as voulu faire pop la notif et tout. Ah ouais, je vois, je vois. La musique, c'est vraiment un Joseph Thiers poussé au max. En général, vous voyez, quand on sort d'un film au cinéma, on a un peu la musique dans la tête, etc. Ah ben oui. Bienvenue, Jean. Bonjour. Comment ça va? Ah oui. C'est vrai que j'ai mis des messages qui se disent quand les gens écrivent leur. Il faut vraiment que je. Ouais, bon, après, la voix, elle est. Bref! Merci de ton sub. Ok. La musique, elle est OSEF. Et passons, comme je vous l'avais dit, sur le but du film. Le premier de la nouvelle phase, la phase 5, l'introduction de Kang. Est-elle réussie? Oui et non, à vrai dire. Oui, parce qu'on a un conquérant qui est craint dans un monde entier, qui a un passif de fou furieux. Oui, parce que quand la rébellion était au max, il a débarqué et ça a suffi pour tous les faire fuir. Il en impose le Kang. Ce défi-là, il est réussi. Seulement, avec un peu de recul, Kang a perdu face à 5 personnages, dont un Avenger qui n'a pas l'air d'avoir utilisé son costume depuis quelque temps, une guêpe. Une gamine sans expérience, un vieux et une vieille. Si Kang perd face à eux, je vois mal comment il peut être une véritable menace dans le futur. Je pensais qu'il allait tuer Scott, ou au moins qu'il allait réussir à bloquer Scott et Hope dans son monde. Non, non, Kang n'a rien changé au perso. Aucun n'est mort, aucun lien n'est rompu, ils sont tous super amis, ils sont tous super heureux, ils sont tous réunis. Bah, merci d'être passé, Kang, merci. Voilà, donc en fait. Le truc, c'est que le film mérite 2,5 sur 5, donc la moyenne, quoi. Mais avec Loki, c'est vrai que j'ai poussé un peu pour que le film mérite plus. Alors, du coup, la question qu'on se pose maintenant, c'est les personnages. Attention, TikTok et Insta, parce que ça va être le deuxième, on va faire ça en deux parties. Alerte spoiler d'Ant-Man 3, à nouveau. Au niveau des personnages, les amis. Nous avons, on va commencer par Cassie, donc la fille de Scott, qui a son costume, qui a changé d'actrice. Alors pour la petite anecdote, t'as bien suivi le film, dis donc. Ouais, j'ai été un peu attentif, quoi. J'ai pris quelques notes, quoi. Pour la petite anecdote. Il y a une actrice qui est dans Endgame. Je sais plus comment elle s'appelle, ni celle-là, je sais plus comment les deux s'appellent. Il y avait l'actrice qui était dans, du coup, Avengers Endgame. Si je me souviens bien d'anecdote, cette actrice dans Endgame a appris qu'elle avait été remplacée dans Ant-Man 3 parce que ça a été fuité sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je sais pas si c'est vrai, mais il me semble qu'à l'époque,
à l'époque. Il me semble que c'était ça. Donc ça fait un peu mal d'apprendre que tu es remplacé dans ton rôle sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Du coup, Cassie, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, on va parler de Cassie sans parler de ses autres. De ses autres. Comment ça s'appelle? Apparition dans le MCU, du coup. Mais. On va juste parler de Ant-Man 3. Le personnage est démontré comme étant un personnage intelligent. Ça, c'est OK. C'est-à-dire qu'elle impressionne son père, OK. L'alchimie qu'il y a entre les deux acteurs, donc Catherine, je sais plus quoi, et Paul Rudd, est plus ou moins validée de mon côté. Ça passe. Mais le personnage, c'est un non. Déjà, de base, je vais vous dire un truc que je dis assez souvent, j'ai l'impression dans mes streams. Les personnages enfantin, gamin, c'est déjà de base, j'ai du mal. Mais alors Cassie, du haut de ses 15 ans, qui arrive à te faire des dingueries alors qu'elle n'est pas entraînée, vous voyez, je veux bien qu'elle soit entraînée avec Hope en mode, oui, bah, elle m'a appris à faire ça. Mais ça m'étonnerait que Hope l'ait préparée à la dimension quantique ou quoi que ce soit. Elle avait l'air très à l'aise, pourquoi pas, très courageuse, bon ça je l'accepte. Mais quand elle nous sort à la fin une rédemption à Modok en mode, mais Modok, c'est à toi d'arrêter d'être un con. Ok. Et à croire que ça a suffi. À 15 ans, elle a une oration au niveau des politiciens. La preuve, elle a réussi à mener une rébellion. Ok. Non, en vrai, le personnage m'insupporte de fou, hein, je vais pas vous mentir. Et l'acting est pas fifou non plus. Je pense qu'elle va finir dans les corrects, parce que voilà. Hein. Mais correct, un peu en bas, vous voyez. Parce qu'on parle quand même d'Ant-Man 3. C'est un peu un flop, ce film. Il faut qu'on en parle un peu. Voilà. Donc, attendez, parce qu'il faut un stylo, sinon je ne vais jamais m'y retrouver. Voilà. Ensuite, on va parler de la guêpe. Alors, la guêpe est déjà dans le classement. Elle est censée être... voilà, elle est ici. Alors, Hope Van Dyne, la guêpe. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle a complètement été effacée du film, en fait? C'est-à-dire qu'on a une espèce de... Qu'est-ce qui s'est passé entre le 2 et le 3, en mode x2? Donc on s'en fout du perso. Comment elle est devenue à la tête, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait à la tête de l'entreprise, on ne sait toujours pas. À quoi elle sert, on ne sait pas. Pourquoi elle a changé de coupe de cheveux comme Captain Marvel, on ne sait pas non plus. Déjà, il y a ça. Après... Il y a quand même l'arc où elle doit croire sa mère, lui faire confiance ou pas, qui est pas trop mal amené. Il y a un style, pourquoi pas. C'est un des bons points du film, la relation entre la mère et la fille. Le truc, c'est qu'à part ça, à la limite, quand elle revient chercher Scott à la fin du film, c'est pourquoi pas. Ça montre un lien fort entre les deux. Je peux valider à peu près ça en vrai. Le truc, c'est que le reste du personnage ne sert à rien. Quand elle va chercher le noyau, elle apparaît en fois 1000, normal, c'est ce qui passe en bas. Pourquoi, par contre, pourquoi tous disparaissent? On sait pas pourquoi. Il y a ça, il y a les scènes où elle se fait juste défoncer par Kang, mais après, Kang, on en parlera un peu après. Et puis il y a le reste où elle ne sert à rien, elle est là en tant que figurante. C'est un autre défaut du film dont je n'ai pas parlé dans la review, c'est que le personnage n'apparaît quasiment pas comparé à Ant-Man 2 où elle est intéressante, elle a un développement et elle sert à quelque chose. Et dans le 3, elle est effacée du scénario. Un point un peu dommage. Du coup, comme il y a quand même le passif de Ant-Man 2 et un petit peu Endgame, elle va rester dans cool, je pense. On va juste la descendre un peu, voilà, un peu dans les bas de cool. Sachant qu'il n'y a pas. C'est pas classé exactement ligne par ligne, hein, c'est juste un peu en haut, un peu en bas. Mais sachant qu'en plus j'ai refait la tier list il n'y a pas longtemps parce qu'elle avait j'ai eu un bug sur le site. Donc du coup faites pas attention forcément au classement, mais sachez que le personnage se retrouve plutôt en bas. Voilà. Ensuite, on va parler du personnage principal, les amis. Scott Lang. Est-ce que Scott Lang mérite de rester là? C'est un peu compliqué en vrai. C'est-à-dire que le personnage n'est pas foncièrement mauvais. En fait, on a eu un bon développement même de Scott, qui en a eu marre de passer sa vie à sauver le monde, et après l'avoir sauvé une fois, il a écrit un livre et a voulu passer du temps avec sa fille. En vrai, de mon côté, c'est plutôt
Validé, c'est loin d'être débile, pourquoi pas? Le personnage, quand il apparaît dans la dimension quantique, son seul but c'est de sauver sa fille et pas forcément de chercher la merde. C'est loin d'être débile. Et dès que sa fille est menacée, il est prêt à travailler pour le méchant. En vrai, ce point-là m'a fait un petit tilt. Parce que même dans les comics, dans l'événement que je préfère, Secret Empire, qui traite d'Hydra au pouvoir, Scott trahit un peu les Avengers pour Cassie. Et en vrai, ça m'a fait tilt de me dire que dans le film, Scott est prêt à trahir entre guillemets le monde pour sa fille. En fait, ça montre que le personnage est attaché à sa fille. Et ça, pour le coup, au-delà de l'alchimie qu'il y a entre les deux acteurs, qui n'est pas non plus fifou mais qui fonctionne bien, je trouve que le point d'honneur qu'ils mettent à faire en sorte que Scott soit prêt à tout pour sa fille est plutôt bien amené et pas trop forcé dans le film. Donc en vrai, ça c'est cool. Le fait qu'en bas, ils aient trouvé une justification pour que tous travaillent ensemble, c'est-à-dire sauver Cassie, c'est-à-dire que toutes les possibilités, peu importe, ça soit sauver Cassie, c'est plus ou moins logique, donc pourquoi pas. Le truc qui m'a fait un peu tilt, c'est qu'après ils disparaissent tous, pourquoi, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, c'est plus amené que Hope, qui n'a même pas de justification. Comme je vous l'ai dit, elle est effacée du film. Bon, voilà. Et après, quand il se met en colère, nous avons un marché, sans la parole, l'homme n'est rien, etc. Pourquoi pas en vrai? Ça, on a un développement qui est excellent. Le problème, c'est la fin du film. Pourquoi Scott, qui d'un coup se dit la vie est belle, et là il se dit, mais attendez, mais Kang est un danger, non? Là, vous voyez, on aurait pu avoir un bête de développement. Genre Kang qui arrive à traumatiser Scott, un peu à la façon de Hulk et Thanos, vous voyez un peu ce que je veux dire? Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit à ce moment-là, ça y est, Kang, il a servi à quelque chose dans le film. Il va traumatiser Scott. Bah non, parce que juste après, Scott se dit, oh bah non, je fête l'anniversaire de ma fille avec le grand sourire, tout va bien. Bah non, frérot. Et donc là, c'est un peu le problème du personnage. Donc du coup, il va descendre juste un peu. Voilà. Pas beaucoup, parce qu'il a quand même fait un petit flop dans le film aussi, mais un peu moins. Alors, on va remonter un peu. Parce qu'il me semble qu'il est un peu en haut. Voilà. Hank Pym, les amis. Hank Pym, qui trouve en vrai l'intérêt scénaristique le plus utile des trois films. C'est-à-dire que là où tous les autres se plantent, lui, il est venu, il a dit My time to shine. Voilà. En fait, le personnage est assez cool. Il a un petit côté d'humour qui est pas trop mal, qui est pas trop forcé. Il a comment ça s'appelle? Il a une certaine relation avec Cassie qui rappelle une bonne relation grand-père-fille. Et je trouve même qu'il a une meilleure alchimie avec Catherine, je sais pas quoi, qui joue Cassie que Paul Rudd et Cassie. En termes de famille, je trouve qu'ils ont une meilleure alchimie. Sa relation avec Janet, qui est un peu remise en question, il fait un peu le jaloux, etc. C'est pas mal du tout. Mais surtout quand, en fait, tu vois que le vieux, c'est pas juste le vieux, quoi. Tu vois que la dimension quantique, tu lui amènes quelques fourmis et il se met à l'aise, quoi. Donc c'est pas mal du tout. La scène de fin, bon, Kang battu par des fourmis, c'est de la merde. On doit vous le dire clairement, j'assume les faits, je trouve c'est merdique. Mais la scène où Kang débarque avec toutes les fourmis en mode badass, ça en impose un peu, vous voyez. Donc il y a un côté un peu stylé du personnage. Le fait qu'il ne meure pas, c'est ok, pourquoi faire mourir, mais en fait, le truc, c'est que soit lui, soit Janet, pour moi, il y a un des deux qui devait mourir dans le film. Mais au final, ça me va qu'il ne meure pas. Le truc, c'est que Kang ne sert à rien du coup. Mais ok. Je trouve pour le coup que le perso mérite d'être monté un peu, en fait. Vous voyez? Pour le coup, c'est. Voilà. Pas trop non plus en parler de 10 ans. Il mérite d'être monté un peu. Ensuite, Janet Van Dyne, la mère. J'ai un problème en fait avec ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que dans le 2, ils ont essayé de nous. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris la transition entre comment elle est passée de rébellion à essayer de contacter le père à travers des rêves, des trucs. J'avoue que j'ai pas compris comment on en est passé de Ant-Man 2 à Ant-Man 3 dans la dimension quantique. Mais bon, en fait, le truc, c'est que la dimension quantique est partie des ta gueule, c'est magique. C'est tellement grand et c'est tellement inexploré qu'ils peuvent nous dire là, c'est ça et après, c'est ça.
C'est très facile pour Disney de nous faire ça parce que c'est inexploré, vous voyez? Donc c'est vraiment un ta gueule, c'est magique. C'est pourquoi dans la dimension quantique du 2, elle ressemble à ça et dans le 3, elle ressemble à ça. Alors que pourtant, il nous explique que c'est la même. Moi au début, je pensais que c'était peut-être la série Loki, vous voyez, qui en fait avait fait changer ça. Le truc, c'est que dans la dimension quantique, Janet a connu Kang. Donc c'était un peu avant Loki. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enfin, c'est un peu bizarre comme raisonnement ce que j'essaie d'expliquer. Je ne pourrais pas vous l'expliquer comme ça aussi facilement. Mais voilà. Donc du coup, Janet, qui se révèle être une leaduse de la rébellion, connue partout, ça, pour moi, c'est un bon point. Le mauvais point, c'est... Mais à quoi elle sert, quoi? Je veux dire, dans le film, elle se fait juste malmener. Enfin... Pas malmenée en termes de combat, c'est juste elle suit le groupe quoi. À la limite, elle sert au début pour un peu introduire la famille Lang à la dimension quantique, mais une fois passé ça, elle sert juste à suivre les gens. Voilà, c'est cool. Leaduse de la rébellion. Je crois, premier degré, dans mes souvenirs, qu'elle n'a même pas de dialogue avec la rébellion. C'est-à-dire qu'au début, elle coupe le bras à un mec, ok. Mais à la scène finale, il me semble qu'elle n'a même pas de scène de discussion avec les mecs de la rébellion qu'on a vus avec Scott. Pourquoi? Voilà, ça c'était le scénariste quand je lui posais la question. C'est chaud un peu quand même. Donc, ouais, en fait, Jeannette, elle n'est pas aux F-tiers. Vous voyez, elle est un peu remontée dans mon estime parce qu'elle a quand même une scène de combat cool. Mais elle va rester en bas de correct, quoi. Elle va rester par là. Elle monte. Mais pas trop. Excusez-moi. Ok, Janet, c'est fait. Darren Cross. Darren Cross qui a fini en MODOK. Et je vous l'ai dit dans ma review, MODOK pour moi est un point positif du personnage. En fait, le truc, c'est que je vais juste le remonter à fond en sous-côté. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. En fait, MODOK, dans les comics même, il n'est pas pris au sérieux. Il y a des gens, je vois qu'ils étaient tilt parce que, ouais, MODOK, il est pas pris au sérieux. Les gars, même dans les comics, MODOK, c'est un putain de clown. C'est un débile mental. Et en fait, dans le film, ils l'ont pas tant raté que ça. À la limite, d'un point de vue, on va dire, esthétique, le personnage, avec une grosse tête sans le masque, est un peu dégueulasse. Ça, en vrai, je veux bien le reconnaître, c'est pas un souci. Pourquoi pas? Le truc, c'est que, au-delà de ça, le fait que le personnage travaille pour Kang parce qu'il a été recruté, etc., par lui, etc. Sa déformation physique qu'on a vue déjà dans le 1 est pas mal du tout, c'est validé de mon côté. Et le fait qu'il soit mentalement dérangé parce que c'est un malade mental déjà de base et qu'il te sorte des ouais, je m'appelle MODOK. La petite pointe d'humour quand Scott dit Darren, Darren, MODOK, et que le mec répond. Là, pour moi, c'est une petite touche d'humour qui est validée parce que c'est pas trop hors contexte et ça respecte le perso. Le fait qu'il soit une machine à tuer, le fait qu'avec le masque, il soit stylé, etc. En fait, moi, pour moi, MODOK est validé de fou. À la limite, le seul défaut qu'on peut lui retirer, c'est qu'il n'est pas lié à l'organisation qui est censée diriger l'AIM, qui apparaît dans Iron Man 3. C'est un défaut que je peux comprendre. Maintenant, le truc, c'est que le MODOK qu'on a dans Ant-Man 3. Et à tout moment, sachez que c'est pas une théorie que je vais prendre au sérieux, mais à tout moment, Secret Wars peut ramener MODOK à la vie et peut le remettre dans le monde réel, peut-être, et là diriger l'AIM. C'est une possibilité, vu le personnage qu'ils ont pris pour faire MODOK, qui est dirigeant et leader de base, c'est une possibilité. Mais c'est pas pris au sérieux, on verra dans quelques années. Là, le truc, c'est que le problème, c'est la fin du personnage. Donc le perso a une haine envers Scott, etc. Ok. Que le perso est une espèce de rédemption, c'est forcé de fou, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on peut éventuellement comprendre que le personnage se dise, bon, Kang il me prend un peu pour un débile, mon ego il en prend plein la gueule, j'aimerais commencer à me rebeller. Pourquoi pas? Le truc c'est qu'à cette finale où il te dit, Scott, t'es comme un frère pour moi, je suis un Avenger maintenant, ça sort d'où? Comment ça a pu être validé par le scénariste? Kevin Feige et toutes les personnes qui ont lu le scénario. Vous voyez? Il y a un problème là pour moi. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un gros problème. Enfin bref, le personnage a un petit problème. Le problème, c'est que dans toutes les reviews que j'ai vues sur Internet, à l'écrit, en vidéo,
Modok, c'est celui qui en prend le plus plein la gueule. Tout le monde le critique de fou. Et pourtant, il ne le mérite pas. Parce qu'au final, à part les 3 dernières minutes où il pue la merde, et bah tout le reste, il est plutôt pas mal. Peut-être sauf esthétiquement, ce que je peux comprendre. Et encore moins esthétiquement, je trouve juste que le côté grosse tête est juste assumé. C'est même pas un problème pour moi. Après, honnêtement, si on m'avait pas dit que c'était l'acteur, bah je l'aurais pas reconnu. Mais à part ça, pour moi, c'est validé. Donc il est en sous-côté, il est sous-côté à fond, parce que là, les gens lui en mettent plein la gueule pour rien. Donc Darren, sous-côté. Oh, Bill Murray. Oh, mon pote. Alors, qui s'appelle Lord Krylar, qui a du flow. Il a du flow parce que c'est Bill Murray, d'accord? Pas parce que Lord Krylar, juste parce que Bill Murray. Et Bill Murray a du flow. C'est le but du personnage. Bill Murray, mon pote, faut qu'on parle. Faut qu'on parle de fou. Faut qu'on parle, Bill Murray. Bill Murray dans le MCU, pourquoi pas, c'est cool. Lord Krylar, qui aurait pu être un putain de bon perso, ne sert à rien. Quand il apparaît en mode badass. Il apparaît tout court. Il l'a, il est présent. C'est ok. Le truc, c'est que sa trahison, pourquoi pas, mais elle n'est pas très logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une scène où il parle pendant pas très longtemps, mais en fait, il parle pas assez. Enfin, c'est pas développé la trahison de Krylar, vous voyez? Elle n'est pas logique. Et le pire, c'est que le perso, après, on ne sait pas ce qu'il vient. Et ça, j'ai lu qu'il y avait eu des scènes coupées du personnage. Faut arrêter de faire des scènes coupées. C'est nul à chier! Parce que ça coupe tout l'intérêt du film. En fait, le gars, ce qu'il faut vous dire, n'hésitez pas à faire des films un poil long s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Je pense notamment à l'explication de Lord Krylar qui revient, etc., qui sert à un truc. Là, c'est juste Kevin Feige qui s'est dit, bon, les gars, le MCU, c'est un peu la merde. Ça, c'était en Thor 4, là, pire film du monde. On sort Ant-Man 3, faut un truc. Là, il y a un mec qui a fait, hey, Kevin, et si on mettait Bill Murray? Et le mec a dit oui. Voilà à quoi sert Bill Murray. Voilà pourquoi il est dans les personnages mauvais. S'il revient dans Ant-Man 4, ou plus tard, ça sera peut-être ok. Mais pour l'instant, dans ce qu'on a vu dans Ant-Man 3, le personnage est juste mauvais. Ok. Bon, ça va être assez vite, hein, le personnage de base et. Personnage de base. Bon, là, c'est pas mon objectivité qui parle. Mobius, on l'a vu 5 secondes. Au cinéma, je pense qu'il mérite de prendre une place. Voilà. Parce que là, top tier n'est pas beaucoup. Donc c'est classé par ligne de préférence. Hein. Les top tiers, c'est vraiment Loki en premier, le Mandarin en dernier. Mais là, les personnages, là, ici, sont classés par ligne. Mobius est monté d'un rang. Voilà. Juste parce qu'on le voit apparaître au cinéma et que c'est cool de voir des persos de la série Loki apparaître au cinéma. Kang, les amis. Alors attention, je vais pas parler du conseil des Kang qu'on voit à la fin, ni de Immortus qu'on voit dans la série Loki, juste de Kang, donc je suis dans Ant-Man 3. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la review, donc je vais peut-être surtout me répéter. Le perso, bon, déjà il est interprété par Jonathan Majors, qui est l'acteur qui est fait pour ce rôle. Je suis désolé, il est fait pour être Kang. Et il a des scènes valorisantes et d'autres beaucoup moins valorisantes. Je m'explique. La scène, notamment, où il se bat à main nue, elle est validée de fou. Il n'y a même plus de musique, le combat est violent, etc. Bon, ça, c'est pour moi, c'est hockey tiers à fond, quoi. C'est validé. Le personnage a une réputation de fou furieux. Tout le monde le craint. Le simple nom du conquérant, il n'appelle même pas Kang, c'est juste le conquérant, parce qu'ils ont peur de lui. Un peu la façon de Voldemort, ça rappelle un peu ça. C'est cool, pour moi, c'est validé. Le fait que, comme j'ai dit dans la review, quand la rébellion est en train de chier sur son, sur son, sur son, sur son, sur son royaume, quoi, il sort et il explose tout le monde fuit, tout le monde est en mode faut qu'on se replie, etc. Kang est une menace, vous voyez, il est validé, c'est-à-dire que les gens ont peur de lui pour une raison, il est puissant. Et puis, minute 1, juste après, il se fait rouler dessus par des fourmis. Et là, on se dit, ah.
Ok. Et là, on se dit, et ce mec-là, c'est le prochain Thanos. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire, oui, mais il y a plusieurs itérations, etc. Oui, il y a plusieurs itérations. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est l'image donnée du méchant dans le premier film. C'est-à-dire que Thanos, quand on le voit apparaître dans Avengers 1, et on le voit apparaître en mode, il a dirigé toute l'attaque de Loki. C'est-à-dire que c'est lui qui était au-dessus de ça, vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que Kang, première apparition, c'est voilà, la première apparition du côté des méchants, au-delà de la série Loki. Hein. Parce que même dans la série Loki, il en jette, vous voyez. On a une première apparition stylée. Là, quand on le voit en méchant, il se fait rouler dessus et ne cause aucun problème. C'est-à-dire que si vous regardez la famille Lang au début du film et la famille Lang à la fin du film, il n'y a aucun changement, aucun développement de personnage, rien. Parce que Kang n'a rien changé, il n'a aucun impact dans ce film. Et c'est problématique. Donc le perso est vraiment contrebalancé entre un côté un peu parfait et un côté un peu nul, quoi. En fait, je pense qu'il mérite, vous voyez, d'être par là, quoi. Pas plus. Je veux dire, dans mon côté logique, des gens comme l'Abomination, même après chez Hulk, le surpassent largement. Des gens comme Ebony Maw, qui n'a même pas de vrai développement, bah, le mérite quand même plus que Kang. Des gens comme, comme Maximus dans Inhumain. Comme oui, tous ces gens qui sont au-dessus, pour moi, méritent d'être au-dessus de lui. Et c'est ça le plus douloureux au final. Même le personnage de Arrow, joué par Ethan Hawke dans Moon Knight, est largement au-dessus de Kang. Et ça, c'est un problème d'en arriver à un point où on doit se dire que bah, c'est pas forcément top comme perso, quoi. Là, pour moi, c'est la partie qu'ils ont ratée dans Ant-Man 3. C'est Kang qui a un côté stylé de fou et un côté où il se fait chier dessus, quoi. Et donc l'image donnée n'est pas top. Voilà. Et évidemment, il reste un personnage, le Loki, mais qui est déjà tout en haut, donc il restera tout en haut. Mais le fait qu'il apparaisse et qu'il ait une utilité et que ça tise la saison 2, pour moi, c'est validé, évidemment. Voilà, voilà les amis. N'hésitez pas, donc du coup, à aller checker la vidéo sur Cassie. Qui est sorti sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur Cassie, c'est la vidéo d'Ant-Man 3 et celle sur Cassie, du coup. Personnage qui est ici. C'est qui Kang? Tu sais, c'est le méchant, tu sais. Tu sais, c'est le méchant, quoi. Mais je déconne. Oui. Mais du coup, n'hésitez pas du coup à voir la vidéo sur Cassie si vous voulez en apprendre plus sur le personnage dans les comics. Comme actuellement, je suis en train de faire une vidéo sur Nick Fury, du coup, qui sortira avant Secret Invasion. Et quand j'aurai fini la vidéo de Nick Fury, quand elle sera finie, j'écrirai celle sur les Gardiens de la Galaxie, dont le personnage est déjà choisi également. Voilà. Bah voilà. Les amis, on va se retrouver, nous, de notre côté, sur Minecraft. Le temps d'une petite heure, du coup, on va creuser un peu. On va essayer de chercher des cavernes, etc. Du fer. On va essayer de faire fondre le fer, il me semble. On fait ça, les amis. On se retrouve tout de suite. Laissez-moi le temps d'une pause pour changer le jeu, allumer la Switch, les amis. Et on se retrouve, évidemment, tout de suite. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan, thinking I could find a friend. Saying hi and shaking hands, I hope this moment never ends. It feels so flies and floating on the breeze. I
Fresh note.